Située à plus de 491 km de Brazzaville, soit environ 6 heures de route pour y accéder, le centre de lecture Angoli Norbert de Bundji, dans le département de la Cuvette, est une bibliothèque physique devenue un refuge d'enfants en quête de connaissances dans cette partie nord de la République du Congo. Il se trouve Bundji, et Oyo est là, et Okoyo est plus loin. Donc voilà. Ici, les élèves du préscolaire au collège apprennent à lire et écrire. Il a attrapé un poisson, mais le sol le tient. Parce que moi, je pars fort. Demain. Il se longe et disparaît dans le buisson. Ceux du lycée trouvent une grande opportunité de consulter les livres au programme, souvent rares lors des périodes d'examen. Que le pleurer-rire qui est au programme, on les garde là-dedans parce qu'on a eu à les chercher partout, il n'y en avait pas, d'Henri Lopez. Et j'en ai parlé à tout le monde, monsieur Bouti Viodo à Pointe-Noire m'en a acheté, l'étranger de Camus, on cherchait partout, on ne trouvait pas. Et donc tout ça, ce sont des amis qui achètent, qui donnent, qui pour le centre. En dépit du caractère éducatif qu'offre le dit centre, l'œuvre de Delphine Ndonda engorge également les ouvrages de divertissement devenus familiers, seulement pour en collecter la promotrice relie ciel et terre pour faire de ce rêve une pure réalité. Il faut rêver et c'est ce que je fais. Je dis, il n'est pas interdit de rêver et il faut rêver pour que vous arriviez un jour à vos objectifs. Quand j'ai commencé avec les enfants, j'ai vu des enfants qui me prenaient les livres à l'envers. Parce que c'est pas des enfants, ils n'ont jamais tenu un livre dans leurs mains. Mais aujourd'hui, ils sont heureux de lire. Moi, je suis heureuse d'entendre cette gamine en train de le lire, mais couramment. Je leur demande quelquefois de me raconter les histoires. Il y a un petit garçon qui me raconte l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai dit, vous savez, l'histoire du petit chaperon rouge, on reprend ça dans les livres de dissertation et tout ça, parce que le loup, c'est pas seulement le loup comme animal, mais il y a des loups, des personnes qui violent les enfants. Donc on les compare un peu à des loups. Donc il faut... C'est métaphorique. Voilà. Il faut vraiment faire très, très, très attention et comprendre le sens de ce qui est écrit dans ces livres. Donc voilà un peu ce que j'essaie de faire. Fonctionnant à l'aide des dons multiformes venant entre autres de la première dame Antoinette Sassou Nguesso, au travers de sa fondation Congo Assistance, du professeur Théophile Obenga, de Monseigneur Ernest Kombo, ce centre qui ouvre ses portes de 8h à 17h est une ouverture au monde. Ici, nous avons un don de la Fondation Congo Assistance, de maman Antoinette Sassou Nguesso, que vous connaissez. Et donc, il y a eu 570 livres de physique, de chimie, de sciences de SVT, sciences de vie et de la terre. Et ici, c'est une salle, en fait, où les enfants viennent travailler. Donc, tous les enfants de terminale, tous les enfants de première et de seconde, travaille là, donc on a des annales qui sont là, et de l'autre côté également. Donc les enfants font également, apprennent, on a des bécherelles, donc apprennent la conjugaison, apprennent tout ça. Cette initiative qui prône l'alphabétisation, l'éducation et l'instruction civique devrait intéresser plus d'un et inspirer d'autres à emboîter le pas, afin de désenclaver les localités congolaises qui jusque-là sont en marge du développement à comparer avec les grandes agglomérations.